Salut. À tous et à toutes, bande de gens, et nous sommes de retour sur The Binding of Isaac Repentance, épisode 48, si je me rappelle bien. Et bien continuons. Aujourd'hui, j'ai envie de débloquer un personnage alternatif, un Tainted, comme on dit. Mais je sais pas lequel. Je sais pas quel personnage je vais débloquer. Je vais débloquer le préféré en premier, donc. Le trompeur, ici, Judas. Alors, Magdalene, elle est marrante. Isaac, il est pas mal aussi, hein, le Isaac alternatif. Ça, c'est l'horreur. Attends, c'est rigolo. Ça, c'est... C'est fade comme gameplay. Lilith, c'est marrant. Eden, c'est épicé, on va dire. Lazarus, c'est... Non. Azazel. Ouh, Azazel. Azazel, ça peut être pas mal. Oulala. Oh, je sais pas. Je pense que je vais faire Isaac. Ouais, je vais faire Isaac. Aujourd'hui, je vais débloquer Isaac. Enfin, je vais débloquer Isaac alternatif. Plus connu. Sous le nom du brisé. Le broken, en anglais. Donc ouais, et on fait ça en hard mode. Parce que on en a rien à foutre. Ok. Alors, Isaac, tout le monde le connaît, D6, 3 cœurs, stats normaux, tout ça. Tout de suite dans le Curse Room, on a deux cartes, un 12 Diamonds et un Hanged Man. Ouais, je vais laisser ici, je vais prendre le 12 Diamonds en premier. Je vais mettre là, ça c'est la salle de sacrifice, rien d'intéressant dedans. J'ai pas touché à ça pour l'instant. Qu'avons-nous là? Strange Attractor. Non. Je l'ai déjà. Est-ce que je l'ai déjà pris? De toute façon, je pourrais pas le recharger. Hein. Par moi qui a une batterie qui drop. Je vais faire tout l'étage en premier. Dans le mince espoir que. Le truc drop. Enfin, que. La batterie drop. Ou qu'il y ait assez de salle, hein. Miraculeusement assez de salle pour recharger mon D6. Tac tac, tac tac. Voilà. Je vais prendre ça. Ah, une batterie, je pourrais l'acheter. Plus de pièces. Ouais, je vais prendre toutes les pièces. Ok, bon, on dirait que j'aurai assez de salle pour recharger mon D6 une fois. Ce qui me permettra de reroll le Dirty Mind. Ce qui est pas. C'est pas un super objet. Hein. Quoique, je crois pas que je l'ai ramassé. Enfin, je crois pas que je l'ai touché. Sur ce save file, donc ouais, je sais pas. Voilà, vu que j'ai l'option de reroll, je vais le faire. Mais pourquoi je fais ça? Il y en a déjà un ici. Si je bête. Celui-là, je peux le garder pour un autre mur. Voilà, soit à gauche, soit à droite. On va aller à gauche. Voilà, non plus, c'était à droite. Bon, eh bien allons faire le boss. Ok, Duke of Flies. Ok, Duke of Flies au rang, il est pas trop chaotique à gérer. Contrairement au vert, à la variante, enfin au champion vert. Celui-là il est horrible, surtout avec un DPS pareil. Ok,
Alors je suis très tenté de lui faire des dégâts avec une bombe, mais je n'ai qu'une seule bombe, donc et cette bombe j'aimerais l'utiliser sur le shopkeeper, hein, qui va potentiellement me dropper une pièce. Enfin ça sert à rien, qu'il est déjà mort. Ok, Magic 8 Ball, ça c'est bien parce que ça va contribuer au déblocage du planétarium. Ok, alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout optimiser. Déjà je vais prendre ces pièces, je vais mettre un Judgment ici, et je vais le tuer. Il m'a rien droppé. C'est pas grave, je vais prendre ça. J'aurai deux Soul Hearts pour le prochain étage. Je vais aller ici, je vais prendre le Hangman, ça pourrait m'être utile dans le futur. Pour l'instant, il y a un demi-cœur ici, un demi-cœur là. Ouais, on va reroll ça. Pilote, c'est mieux. C'est mieux, ce sont des dégâts passifs. Hein. C'est plutôt efficace sur les... Sur les ennemis des premiers des premiers étages. Faut quoi qu'il y ait une batterie ici. Déjà je vais faire ça, je vais prendre Mom's Purse. Super Mom's Purse. Ouh, Filigree Feather. C'est bien ça. Hein. Oh ouais, c'est bien ça. Putain que c'est bien. Filigree Feather me permettra d'obtenir des objets d'Angel Room à la place des morceaux de clé. Enfin, j'ai peut-être lâché le truc en premier avant de combattre un ange. Comme ça, je peux avoir la chance supplémentaire d'un morceau de clé. Ou pas, en vrai. Ouais, c'est pas nécessaire. J'ai pas de clé pour aller dans le Alt Path, pardon. Ouais, je pense que je vais aller prendre la batterie. Hein. Parce que 6 salles, c'est quand même beaucoup. Zoop. Descendons. Et tout de suite, un Curse Room. Voilà. Des phases. Ok, vas-y Lil Hunt. Super ça. Ok. Pas de... ouais, pas de bombe. Et la salle secrète n'est pas à droite. Hein, parce que le Curse Room est un Curse Room étroit. Donc la salle secrète est probablement en haut là. Probablement. Ou à gauche. Ah. Non. Ok. Ok, j'ai deux bombes. On va aller ici. Clé. Pas clé. Ouais. C'est pas méga bien. Pas se mentir. C'est pas méga bien. La batterie que j'ai achetée était complètement gaspillée. Bon bah. Baby plum, hein. Nickel. Je ne peux rien acheter avec tout cet argent si je n'ai pas de clé.
j'espère qu'il me drop, enfin qu'elle me drop Latchkey. C'est pas Latchkey. Allez, on le prend. Oh. Nul. Nul. C'est scandaleusement nul. Oh là là. Ok, bah tout ce qui reste c'est la super secrète. Hein. Et la super secrète. La super secrète, elle ne peut que être là. Ouais. J'aurais aimé avoir une. Merde, j'aurais dû reroll Experimental Treatment. Enfin, quoi que. Je sais pas. Bon, je vais. Ouais, je vais explorer le Curse Room. De pilule, make-up. Full health. Ouais, c'est. C'était pas très worth it, mais bon. Voilà, ça dégage. Encore une fois, je vais devoir abandonner derrière moi un treasure room. Et je pourrais même pas aller dans le downpour. Oh, plus d'argent. Flooded Caves. Curse of the Lost. Je vois pas comment j'ai pu éviter ça. Comment j'ai pas pu éviter ça. Bon, moi ça me donne des clés. Ça c'est sympa ça. C'est méga sympa. Hanged Man et The Fool. Je pense que je vais prendre Hanged Man. Il n'y a rien dans cette salle. Oh là là, ce DPS est. C'est déplorable. Tout à fait déplorable. Oh là 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 là. Il y a l'autre là qui va en générer. Je peux le buter en premier. Allez. Voilà. Bon, au moins ce DPS déplorable est compensé par un. Par un shot speed, ce qui va me permettre de rater moins, de moins rater mes tirs. Oh, il y en a tellement. Vas-y, bute-le. Ok, alors, à quel genre de salle on a affaire? On va monter ici. Oh, mieux, je peux même aller à gauche. Et si j'ai de la chance? Ouais. Super ça. Ça c'est moins super. On peut faire péter ça, je suppose, ça ne l'atteint pas. Malheureusement. Eh bien, descendons par ici. Ah, c'est une grande salle. C'est deux salles, elles, qui sont côte à côte. C'est lent. C'est lent, c'est long. Ok. Côte ouf. Plus de vitesse. Ouais, donc. Ouais, ces deux salles, elles, emboîtées l'un dans l'autre. L'une dans l'autre, c'est une salle.
Alors j'ai encore un coup de protection, je vais pas le claquer dans cette salle ici. Ah là là. Ok. Oh. Ok. Allons dans le curseur. Yera. Yera. Ouais. Yera sera sûrement utile dans le shop. Ah, vas-y, va faire ton travail là, Lil Hunt. Des ennemis là. Pas envie de. Je sais pas, d'aller les attaquer. Sinon, je peux faire ça. Ouais, c'est mieux, ouais. Ouh là là. Ok, c'est bon, il s'attaque. Ok, c'est mieux. Après, j'aimerais bien avoir une salle qui me donnera un item qui m'aidera dans ma survie. Ce sera agréable. Ouais, il n'y en a pas du tout là. Ouais, oh, je vais mourir. Ok, c'est bon. Ok, toi viens ici. Whoop. Gaspiller toutes mes charges là. Toutes. Oh là là, mais que des grandes salles. C'est terrible en Curse of the Lost. Voilà. Oh, je me suis baisé là. Pas de trésor room. Ah, voici le shop. Ok, qu'avons-nous? De la protection, ça aurait aidé à une minute plus tôt. On va boomer ça. Tac. Yera. Je prends ça et ça. Trésor room? Non. Non, hein. Ouais, c'était de l'autre côté du monde. C'était de l'autre côté de l'étage. Ça fait mal hein, le 2.5. Ça fait très mal. Ok. Ariès, c'est un objet du Zodiac. Ok, j'ai deux objets là. J'ai deux objets qui contribuent au déblocage du planétarium. Encore un. Et je suis bon. Ouais, n'oublions pas qu'il y a une salle ici qui pourra me recharger partiellement. Ne serait-ce que partiellement mon D6 dès que j'aurai fini le boss. Bon, j'ai 11% de chance de tomber sur un Angel Room. Donc c'est pas super. Super secret ici. Il y aura peut-être des ennemis dedans, donc j'aimerais optimiser. Je vais faire le boss en premier. Ok, Chub. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Oh, en plus c'est Chub orange. Enfin, ça va en fait. Parce que les ennemis qui spawnent, ils sont pas aussi... ils ont pas autant de vie que les... Aïe. Oh là là. Ouais, par contre, ils tirent des projectiles. Boum. Oh, ça lui fait zéro dégâts. C'est nul.
En plus, c'est méga rapide, donc mon League Hunt, il peut pas faire grand chose en fait. Fonce-moi dessus. Oh là, il flippe donc. Hein. Ben, allez, viens, viens, t'en. Voilà. Pas d'angel, pas d'angel. Ok, Mister Dolly. Franchement, ouais. Tac, on va aller dans le... Ici, d'abord. Oh. Oh, 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 ça. S'il me donne Crystal Ball, c'est... Bon, il peut me donner des trinkets aussi, ça, c'est pas mal. Il peut me donner des trinkets, des cartes. Ouh, ouh. Ouais, oui, il peut exploser. Storky, franchement, j'ai beaucoup de clés, ça ne sert à rien. De l'avoir. Je peux même mettre quelques pièces au prochain étage. Ok, je vais aller faire ce challenge au moins. Alors je vais faire un truc risqué, je vais ouvrir les trois coffres en même temps. Ouais, ouais, mauvaise décision. Que des mauvaises décisions. Toute ma vie, j'ai que pris des mauvaises décisions. Je vais ouvrir les trois coffres en même temps pour voir s'il y avait un objet, qu'il était désirable ou pas, et si je pouvais le reroll avant que le premier wave spawn. Hein, pour que j'optimise, pour que je gagne une charge en plus. Et me voici avec un cœur noir en moi. Et putain. Cette salle ne m'a apporté que douleur et misère. Oh, une pièce. Ouais. J'ai vraiment besoin de meilleurs objets là. Je vais aller à la mine. Avec ce DPS, ça va. Oh, ça va être dur. Ça va être dur. Mais j'ai déjà ouvert la porte, donc... pas quitte. Oh, en plus, c'est H-Pit. Ah, H-Pit. Ah, beaucoup de pièces par contre. DPS est délicieux. Ah. Ah. Oh là 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 là, un damage up. Il me faut un damage up. Impérativement. C'est pas ce que j'appelle un damage up. Go. C'est du DPS, c'est du DPS. Pas mal de clés, donc on va voir ça. Eh. Vas-y toi, tire. Oh. J'essaie de
d'ouvrir la potentielle secret room. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Ouh. Ah. Tac. Miam. Tears up, love down. C'est ok. Beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent, merci. Un objet ? Objet ? Ah, marked. Enfin, marked, c'est ça. C'est un tears up aussi. Hein. Nous avons ici une batterie. Je peux recharger mon D6 avec les salles en premier. Alors, je peux peut-être essayer de... Ouais, non, ça va pas marcher, hein. Ça va pas marcher. Ok. Alors qu'est-ce que je reroll? Qu'est-ce que je... Attendez, les crawl space ils utilisent qu'à l'item pool en fait. Treasure room. Donc... Il y avait quoi dans le shop déjà? Comme objet? De la merde. Enfin Pokégo... Ouais bah ça peut toujours aider. Je vais le faire dans le treasure room parce que ça va m'apporter plus d'avantages en fait, parce qu'il y aura un deuxième objet. Bam, puis la duplex. Oh, c'est nul. Bon, j'allais prendre marked pour le meilleur ou pour le pire. C'est un tears up et un range up. Et je vais aller prendre une batterie, comme ça si par miracle l'angel room se montre, je vais pouvoir faire des trucs. Ok, c'est de shell. Plutôt facile en fait, hein, comme ennemi, enfin comme boss. Faut juste que... Ah, c'est juste que Mark me perturbe un peu. Peut-être que Mark c'est mieux avec une souris. Ouais, c'est peut-être mieux en clavier souris, hein. Pas de Angel Room, merveilleux. Alors, je vais changer en clavier souris. Voilà. Tac tac. C'était quoi déjà? C'était ça. Ça c'était la map. Ok.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué en clavier souris donc. Ça, si je prends ça, ouais. Ouais. Ah, ça c'est un HP up. Il y a mieux quand même, j'aime, mais franchement, de la vie. Je vais pas refuser. Je pense que je vais reroll ça. Ouais. Milk. C'est très nul. Oh, y'a un kill teinté là, je l'avais même pas vu. Tears up. Beaucoup de tears up. Un petit damage up ne serait pas de refus. Ah oui, il y a une salle de... Comment ça s'appelle? Il y a une salle de challenge. Je m'en vais le faire. Tout de suite. Sur le champ. Oh, de la vie. Ah! Des pistes. Ce sont des pistes. Ok. Cela s'est pas si mieux que prévu. Je me suis très tenté par le cœur spawn. Hein. Avec un justice. C'était pas très worth it, mais bon. On va lever ces énormes cornes. Ces énormes cornes, j'ai dit, voilà. Ouais, c'est mieux. Que... How... Drop. Voilà. Ouais, et ben descendons. Ah, c'est les mines cette fois-ci. Je préfère les mines. Ok. Oui. Super ça. J'ai deux vies, ça. C'est énorme, ça. Je peux... merde, c'était quoi mon bouton pour poser la bombe? C'était ça? Non. Ah oui, c'était juste ça. Voilà, je peux accéder aux deux salles adjacentes. Tac, on va pousser ça ici. Je vais éviter de buter mes deux vis quand même parce que c'est du DPS massif. Perds trop. Intéressant. Non, 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 meurs pas, mais meurs, mais bordel de merde. Merde. Et deux pilules similaires. C'est pas forcément bien. Merde. Tac. Boum. Je vais prendre ça. Café, une pile. Y a mieux. Santa par exemple, ça c'est mieux. Non.
il est méga rapide ce bougre aussi là. Voilà. Rip trip. Comment je suis censé éviter ça? Voilà. Merde, je suis dans un coin, je suis dans un coin. C'était pas génial comme... Je suis en train de perdre là. Je suis en train de perdre lamentablement. Ah, j'ai pas vu le pic, j'ai pas vu le pic. Et j'ai plus de protection, et j'ai plus de protection. J'ai plus de protection. Ok, alors je vais prendre ça. Je suis désespéré là, je vais lui donner de la vie. Je sais qu'il y a Hématémésis qui m'attend. C'est de la protection. Oh, ça m'affecte même pas. Alors Hématémésis. Ça m'en donne qu'un seul, bien évidemment. Devrais-je faire le boss là? Ah bah non, non, j'ai pas encore tout chargé. Ça c'était méga maladroit. C'était si maladroit. Protection? Pas de protection. Protection? Ça c'est nul. Attends, est-ce qu'il y avait une batterie dans le shop? Oui. Il y a même Burkhard. Ouf. Je vais prendre ça. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Nul. Nul. Enfin, en fait... Blood Oath, ça a l'air. Enfin, j'ai beaucoup de cœur. Hein. Enfin, j'ai beaucoup de réceptacles de cœur. Il y a Binge Eater aussi. J'ai pas assez. Binge Eater, c'est méga bien. Je sais pas si j'ai déjà expliqué. Mais Binge Eater, ça transforme. Enfin, ça nous donne l'option de prendre un HP up à la place de n'importe quel objet. Putain, j'ai que de la merde. Et protection? Et ça... Et tous les HP up nous donnent un bonus de stats. Et plus un bonus de dégâts temporaires. Ok, alors vu la forme de la salle, soit c'est Tough Twin, soit c'est comment il s'appelle? Great Gideon. Et si c'est Great Gideon, je suis dans la merde. Putain, même pas de protection, tu peux me donner un peu plus de la vie. Oh, je suis fini. Je suis fini. Je suis mort, genre c'est officiel. Il n'y a pas de discussion. Oh là, bordel de merde. Bordel de merde. Oh là là. Ah, c'était mon cœur pourri. C'était mon cœur pourri.
Rien. Rien? Rien, je... Enfin, je... Rien, quoi. C'est... Je vais le prendre. Parce que je sais que l'HP rouge, c'est méga bien. Quand on arrivera à... J'en ai marre de... J'en ai marre de la vie. La vie me laisse un goût fade dans la bouche. Mais merde quoi. Merde. Merde. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Et je pourrais même pas amener mon père trop dans la salle de môme là parce que je dois prendre une foule. Ah là là. J'en peux plus. J'ai envie de reset là. J'ai envie de. Ah. Tech 5, ça c'est bien. Ah. Oh. Merde, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent. Qu'avons-nous ici? Rien de bien intéressant. Ok, alors. Je suis bien obligé. Hein. Birthright me fera gagner. Donne-moi ça. Termite. Alors, il est strictement impossible que je batte Mom avec un DPS pareil. Enfin, sans me faire toucher. Impossible. J'aurai jamais cet Angel Room. Oh, les deux en même temps. Les deux en même temps, les deux en même temps. Quel enfer! Rien, rien. Que dalle. Rien du tout.
Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Les pieds, les yeux. Toi tu meurs, s'il te plaît. Tu meurs plus vite que ça. Ok, ils font pas de dégâts. Ah oh, toi, non, pas toi, pas toi, pas toi. Meurs, s'il te plaît. Non, putain de merde. Ah. Pas un seul Angel Room ni Devil Deal depuis le début. C'est la première fois que je fais ça. La première fois. La première fois dans ma vie que ça arrive. Suicide King, très marrant. Ok, dernière chance. Dernière chance de me téléporter dans une salle d'orge. Ah. Il était temps. J'aurais dû prendre le Pertro. Maintenant que j'y pense. Ok. Peut-être qu'il y a encore un peu d'espoir. Ouais. Alors. Va des rétro. Je pense que je vais prendre ça. Voilà, plus de dégâts. Et ça. Voilà, je vole. Et j'ai beaucoup de vie. Ok. La situation s'améliore. La situation s'améliore. Nous avons encore un étage devant nous. Prendre ça et l'utiliser sur... sur ça.
Ouh, Maw of the Void. Ou Pandora's Box. Pandora's Box va donner à qui? Oulala. Dans Mausolée Géna, c'est 20 pièces, donc ça ne sert littéralement à rien. Maw of the Void en revanche. Allez, donne-moi une pièce. Il m'a rien donné. Et j'ai littéralement aucun autre moyen d'obtenir plus de pièces. Donc ouais. Et j'ai toujours pas débloqué Planétarium. J'ai eu deux objets sur le premier étage. Mais rien de plus. Peut-être plus tard. Ok, alors nous avons Mystery Gift. Ou Mystery Gift dans un secret room, ça pourrait aider. Et la Bible. La Bible ne me servira pas. Ah, non, la Bible me donnera Séraphim. Mais ça sert à rien vu que je vole déjà. Qu'avons-nous ici? Quoi, cette ruine? Je peux pas voir. Broken Stopwatch, c'est pas... C'est... Ouais, c'est vraiment pas bien. J'ai déjà un père trop. Ouais, je pense que je vais prendre Mystery Gift et l'utiliser dans le Secret Room. Reste à trouver... la location de cette salle. Serait-elle... Oui, serait-elle ici? Non. Cette salle, j'ai pas cette salle. Oh, c'est un champion arc-en-ciel. Vite. Oh là. Meurs. Ah. Oh là là là, c'est catastrophique. Ok. Ok, ok, ok. Kaboom. Voilà. Bah, je vais tout de suite aller chercher le Mystery Gift pour l'utiliser.
dans cette salle. Ah bah. Enfin, je veux dire. Rock bottom, c'est bien, mais. Mais j'ai aucun objet qui bénéficie. Parce que rock bottom, c'est juste que ça. Ça garde les stats up temporaires et j'ai rien qui puisse m'octroyer un stats up temporaire, à part Milk. Mais Milk, bof quoi. Non, je pense que c'est un père trop. Ok, Odd Mushroom. Là on parle. C'est un damage up et un HP up. Mais on peut avoir mieux. Dans un secret room. Par exemple, est-ce que Erki est débloqué par défaut? Ça je suis pas sûr. Ah, Sausage. Sausage, c'est quoi ces points? Ça, mais c'est pas si bien que ça, Sausage, en fait. J'ai encore combien de rerolls là? Un seul. On a quoi en bas là? C'est ça. Alors, dans le pool d'item room, qu'est-ce qu'on a? Enfin, de secret room. Ok, Erki. Alors, Erki, c'est débloqué par défaut. Ouais, franchement, il y a pas de meilleurs objets que. Enfin, ouais, je pense que je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre Sausage et arrêter d'en parler. Voilà. J'en ai marre de ça. Est-ce que je veux bien marcher? Voilà, c'est bon. Eh bien, allons voir ce boss. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un item room, j'ai complètement zappé ce détail. Kamonula, Stigmata. Stigmata et Ankh. J'ai très envie d'obtenir le planétarium. Cursed Eye Lodestone. Oh! Ah, ce jeu me troll. Ah, ce jeu me troll. Ah. Ah. Ce jeu me veut du mal. Ah là là, je souffre. Bon, au moins j'ai pas perdre. Voilà, si je perds, c'est que je sais pas ce qui m'arrive. Mais je suis confiant du fait qu'on va pas perdre cette partie. Oh, une batterie. J'ai pas de bombe. Cette batterie pourrait-elle me sauver? Enfin, pas me sauver, mais m'octroyer ce que je convoite depuis maintenant des lustres? Non. À moins que. Pas du tout. C'est quoi le cœur pourri? J'en veux pas.
Ah bah c'est... Ouais, non, c'est pas ce que je vais faire. Tac. Je vais... Je suis déçu. Hein. Et maintenant que j'y pense, j'aurais pu attendre de prendre le Death Note avant d'aller dans le... Dans, ouais, dans la salle. Je suis fatigué. Je sais que c'est mon excuse ultime, hein. Je suis extrêmement fatigué. Mais ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça le soir. Enfin! Putain, il était temps! Le planétarium a été débloqué. Je sais même pas ce que. Virgo, c'était quoi? C'était bonne pilule et une chance d'avoir un bouclier quand c'est mal, je crois. Je crois que c'est ça. Ok. Au moins, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Ok, c'est sûrement une erreur. Ah non, ça va plutôt long en fait. Ok, j'espère que c'est pas une erreur stratégique ça.
Home, enfin. Polydactyly et... Tears Up Shop Speed Up. Nous avons Cancer... Oh! Oui! Cancer. Cancer va beaucoup nous aider. Ça va diviser nos dégâts au-dessus par deux. Et là nous avons Momski et Momzai Shadow. C'est parti. Je suis confiant là. On peut gagner. Au centre de la salle, c'est genre là. Voilà. La boule fait mal. Ça, c'est une chose que j'apprends. Enfin, je devrais m'y attendre, hein. C'est une grosse boule de lumière qui tire des lasers. Forcément, ça devrait faire mal. Aïe. Ok, let's go. Même presse. Voilà. Ok, on est bon là, on est bon. Je peux même laisser la boule traîner sur sa tête pour lui faire plus de dégâts. Oh, attends, est-ce que j'ai intercepté son projectile avec la boule? On dirait bien que c'est le cas. Ah!
Ok. Oh, bon, je peux m'en sortir. Oh, putain. Allez, merde. Il était temps. Bon, on l'a déjà eu une fois. Options est apparu dans le basement. Il était temps. Ce fut un épisode douloureux. Le début de game était douloureux. Ça faisait mal, hein, vraiment. Toutes les fois où j'ai raté l'Angel Deal. Toutes les fois, je me suis pris des coups pas nécessaires, tout ce bordel. Mais ça montre que même les pires débuts de partie peuvent se transformer en succès. J'ai débloqué le planétarium, j'ai débloqué Isaac de Isaac Alternative. Je vais reconnecter ma manette. Ok, donc je disais, nous avons débloqué Isaac Alternative, à savoir, j'ai oublié de le débloquer. Voyez-vous, je suis parti du fait que la dernière fois, j'avais apporté le Keypiece. Et j'ai découvert que, vu que j'avais pas encore débloqué Inner Child, l'objet qui était censé apparaître à la place du Shopkeeper, je suis parti du fait que ça sert à rien de prendre un Keypiece. Sauf que j'ai pas encore débloqué le personnage, du coup, fallait prendre le Keypiece. Et du coup, j'ai tout raté. Bon, vous savez quoi, je vais faire ça au prochain épisode, je vais tourner, juste après là, hein, dès que j'aurai fini celui-là. Donc ouais, likez si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conneries de ce genre, et je vous dis à la prochaine. Salut.